Bonjour, c'est Ken. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui va être ciblée surtout sur les personnes qui me suivent déjà. Je vais répondre à une question sur le choix de mes programmes. Je propose beaucoup de programmes et souvent, on ne sait pas trop quel programme choisir. Vous allez voir que c'est assez simple. Tous les programmes sont prévus pour être faits chez soi. Déjà, d'une, ça, comme ma chaîne, hein, sur ma chaîne YouTube, je vous montre que des exercices, que des méthodes pour vous entraîner chez vous. Les programmes, c'est pareil, tous les programmes sont faits pour être faits chez vous. Après, le choix des programmes va dépendre de votre objectif. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Votre premier objectif, c'est que vous ne faites pas de sport, vous êtes débutant, vous avez besoin de vous remettre en forme et vous voulez améliorer votre silhouette. Donc, améliorer votre silhouette, c'est devenir un peu plus sec, plus dessiné, plus tonique. Vous avez besoin de motivation et vous n'avez pas d'accessoires. Donc, surtout, le truc le plus important, c'est que vous êtes débutant, vous voulez commencer progressivement et avoir une motivation, une envie et sans accessoires pour améliorer votre silhouette. Le programme silhouette fine et tonique va être vraiment adapté pour vous. Programme silhouette fine et tonique et sans accessoires. Il y a 30 séances. Toutes les séances, je les fais avec vous. Je fais toutes les séances avec vous. Les séances sont courtes, sont en 20 et 25 minutes, sont faites pour que vous puissiez les faire facilement, le mettre facilement dans votre planning. Les premières séances sont c'est très facile en fait, parce que je vais chercher à très facile, ça va dépendre de chacun. Les trois premières séances surtout sont faciles. On va chercher à travailler les postures. On va chercher à travailler toutes les postures, comme le squat. On va voir le squat, le gainage, les fentes, mais doucement, tranquillement, pour bien maîtriser les postures. Et petit à petit, on avance pour devenir de plus en plus dur. L'idée de ce programme, c'est que vous commenciez débutant, vous appreniez, et qu'à la fin du programme, vous soyez vraiment athlétique. Quand je dis vraiment athlétique, c'est pas une blague. C'est-à-dire que vous maîtrisez les squats sautés, les fentes sautées, les pompes, le gainage dynamique. Donc, gainage dynamique, c'est le maintien du gainage du tronc tout en mouvement. On va bouger, on reste toujours solide, un gainage solide. De toute façon, tous mes programmes, le gainage dynamique, c'est la base. Dans tous mes programmes, peu importe votre objectif, il y aura toujours du gainage. Pour moi, c'est la qualité physique la plus importante. Le gainage, c'est ce qui va protéger votre tronc, ce qui va protéger votre sangle abdominale, avoir le ventre plat, mais surtout le maintien du dos, un dos fort, c'est surtout la base. Donc, le gainage dynamique qui est incorporé dedans, c'est très important. Donc, chaque séance, donc vous suivez, vous êtes avec moi. Vous êtes débutant et on progresse petit à petit pour que vous soyez vraiment athlétique. Autre possibilité, vous êtes orienté sur la préparation physique générale, vous voulez devenir plus athlétique dans votre sport ou améliorer votre silhouette aussi, mais de façon beaucoup plus tonique, beaucoup plus fort dans la vie de tous les jours. Je mets tout ça dans la même partie, dans la préparation physique générale. Préparation physique générale, ça s'adresse en fait aux personnes qui veulent améliorer leur performance athlétique dans votre sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. Je considère que la vie de tous les jours est importante d'être athlétique. Donc, bien sûr, vous allez me dire qu'être explosif, savoir sauter haut et tout ça, c'est peut-être pas forcément essentiel, mais la coordination, c'est essentiel. La coordination, c'est quoi? Ça veut dire maîtriser son gainage. Je pense par exemple au gainage, maîtriser son gainage en plein mouvement. Je donne un exemple, je vais prendre un pack d'eau qui est en bas, que je vais mettre en haut. Par exemple, un sac, n'importe quoi en bas, en haut. Si on ne maîtrise pas son gainage, on ne maîtrise pas sa posture, donc la mobilité, le mouvement du genou, l'instabilité du gainage, on peut se faire mal au dos ou au genou si le pied ne tourne pas et tout ça. Ça va être ça la coordination. Quand je parle de coordination, c'est maîtriser les mouvements de plus en plus complexes tout en restant bien le genou aligné avec le pied, le bassin solide, le gainage solide. C'est ça la coordination. Pour qui c'est pas important, c'est important pour tout le monde de maîtriser toutes ces gestuelles dans la vie de tous les jours, c'est important. Donc tout ce qui est programme préparation physique générale va être ciblé pour les personnes qui ne recherchent pas la prise de masse musculaire, qui veulent dessiner, prendre un peu de muscle mais de façon dessinée, devenir plus athlétique, améliorer toute leur performance athlétique. Donc l'idée, ça va être devenir plus explosif, plus puissant, plus améliorer son cardio, parce que tous les programmes de préparation physique générale sont faits sous forme de circuit. On va enchaîner les exercices comme ça avec un temps de pause plus ou moins court. On va enchaîner donc des gestuelles de plus en plus complexes pour améliorer la coordination, mais aussi pour travailler le cardio. Parce qu'un mouvement, je pense par exemple le squat, faire un squat comme ça, c'est déjà dur, mais faire un squat où on fait d'autres mouvements avec les bras, bah, c'est tout de suite beaucoup plus cardio. Ça demande de la coordination, beaucoup plus cardio. On va travailler le cardio, l'explosivité, le gainage puissant. Vous avez vraiment un gainage puissant. La stabilité, c'est-à-dire sur une jambe, tenir sur une jambe, les chevilles, genoux, tout aligné en plein mouvement quand on va faire différentes choses, ça va être ça. Donc la préparation physique générale, c'est pour objectif amélioration de la silhouette et devenir plus athlétique. Ensuite, il y a plusieurs programmes dans cette famille-là de préparation physique générale. Votre choix de programme va se faire selon vos accessoires, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il y a un programme développer vos qualités physiques, qui est un programme entièrement avec élastique.
Il y a un programme préparation physique générale avec élastique et sans angle de suspension. Un programme préparation physique générale avec élastique et haltère. Bah, le choix se fait selon vos accessoires. Il n'y a pas un programme qui est mieux qu'un autre. C'est juste les accessoires qui vont être différents. D'accord ? Donc, selon vos accessoires, vous choisissez le programme que vous voulez. Votre objectif est la prise de muscle, la prise de muscle athlétique. Je ne suis pas dans le bodybuilding. J'ai aucun problème qui est ciblé bodybuilding. Programme prise de muscle athlétique, ça va être la même chose. C'est, on va améliorer le gainage, encore une fois, le gainage très puissant. Dans tous mes programmes, vous sortez de là, d'un programme, vous avez un gainage puissant, vous avez un gainage solide. Votre tronc, il est solide, votre dos, il est bien stabilisé. Tous mes programmes, c'est ça, on va améliorer la posture, on va améliorer le gainage. Mais là, ici, le programme prise de muscle va être objectif de prendre, gagner en masse musculaire tout en améliorant ses performances athlétiques. Donc, c'est pareil que la préparation physique générale, un peu moins poussé sur la préparation physique générale, on est quand même ciblé sur la prise de muscle, mais tout avec un gros travail de gainage, d'accord ? Donc ici, travail de prise de masse musculaire athlétique, pas volumineux, athlétique, on va prendre du muscle. Hein. J'ai pas mal de retours de personnes qui prennent du muscle quand même plus que je le pensais. Il y en a qui prennent bien du muscle, après on n'est pas tous égaux, hein. Il y en a qui prennent plus vite que d'autres, il y en a qui prennent bien du muscle de façon athlétique, c'est-à-dire que vous ne serez pas lourd, vous serez tonique, vous pourrez courir, vous pourrez sauter, vous serez capable de vous déplacer, de faire des mouvements tout en prenant de la masse musculaire. Et là, c'est pareil, le programme, vous choisissez selon vos accessoires. Il y a des programmes avec élastique sans suspension, élastique et haltère. La même chose, vous choisissez selon vos accessoires. J'ai différents programmes qui vont venir. J'ai deux programmes en cours. Il y a un programme musculation avec élastique. Donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos. J'ai testé en fait, hein, j'essaie de faire des programmes qui vous correspondent, les programmes que vous recherchez. Donc, j'ai fait quelques vidéos comme ça où je faisais des séances en réel avec élastique, des séances full body, des séances all body. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Apparemment, vous aimez beaucoup ce genre de séances où je fais les séances avec vous. Parce que, mis à part le silhouette fine et tonique, les autres programmes, je reviens sur les autres programmes, préparation physique générale et prise de muscle, ce sont des programmes en support vidéo qui est un peu comme un cours, support vidéo où je vais vous dire par exemple exercice 1, le squat attention, on met les genoux comme ça, les chevilles comme ça, le bassin comme ça, on installe son gainage. J'adapte chaque exercice selon votre morphologie, ça c'est très important, je ne l'ai pas dit au début, c'est très important, j'adapte l'exercice selon votre morphologie. Par exemple le squat, ici on va descendre complètement et monter. Pour de nombreuses personnes, ce squat-là, ce n'est pas possible. Donc j'adapte le squat selon vos capacités. Mobilité de cheville, longueur de fémur, votre confort. Donc, il y a plein d'exercices comme ça où je vais adapter pour que vous puissiez vraiment le faire à votre façon. Ok, tout exercice. Donc c'est pour ça que ça va être sous forme de cours. Je vous dis par exemple, exercice 1, le squat. Je vous donne tous les détails techniques comme si j'étais avec vous. Je vous explique comment bien faire ce mouvement, comment adapter ce mouvement si ça ne vous correspond pas. Exercice 2, des pompes par exemple. D'accord, ça dépend des programmes. Mais voilà, exercice 2, c'est ça. Voilà, je vous explique tous les mouvements. D'accord ? La différence entre les programmes préparation physique générale et programmes prise de muscle athlétique, c'est la construction des programmes n'est pas pareil. Tout ce qui est préparation physique générale, c'est sous forme de circuit parce que je cherchais à taper dans le cardio, travailler toutes les masses musculaires de façon dynamique pour ne pas vous rechercher à faire prendre en masse musculaire. Prise de muscle athlétique, ça va être différent. Je vais tourner surtout sur deux exercices en général pour qu'il y ait un petit peu de cardio, mais surtout chercher à hypertrophier le muscle. Voilà, en gros, la différence, c'est ça. Donc, chaque programme, il y a un support vidéo comme un cours où je vous explique chaque exercice détaillé, vraiment hyper détaillé, et un support PDF. Donc, en fait, une fois que vous avez regardé les vidéos, dans un peu sous forme de cours, vous regardez les vidéos, vous voyez, OK, exercice 1, exercice 2, voilà tout le programme, vous avez toutes les infos techniques. Ensuite, vous avez votre PDF et vous faites votre séance, vous êtes autonome pour faire votre séance avec votre support PDF. Là, je suis en train de faire donc, les programmes à venir. Il y a un programme musculation avec élastique, objectif prise de muscle athlétique, toujours prise de muscle athlétique avec élastique. Là, comme le programme silhouette fine et tonique, vous me suivez. J'ai fait quelques vidéos comme ça, donc ça, j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc c'est pour ça que je fais un programme complet là-dessus, où vous faites toutes les séances avec moi. Donc les séances vont être assez longues, hein, les séances sont 3 quarts d'heure, 1 heure, une séance assez avancée, donc débutant à confirmer. Et quand je dis débutant, même les premières séances, quand j'ai fait la toute première séance qui est adaptée débutant, je me suis cramé. Donc en fait, c'est ça qui est bien avec élastique, on peut être débutant et confirmé, on va se cramer. La première séance qui était adaptée pour les débutants, je me suis cramé parce que là, je vous mets plein de variantes, plein d'adaptations pour que vous puissiez faire la séance selon votre niveau. Vous êtes débutant, vous allez vous cramer, vous êtes confirmé, vous allez vous cramer selon la résistance des élastiques que vous allez mettre et tout ça. Le programme, toutes les séances, je les fais avec vous. Échauffement, corps de séance, retour au calme. En parallèle, je suis aussi en train de faire un programme complet, j'ai déjà mis une vidéo là-dessus sur YouTube aussi. Allez voir dans la description, hein, je vous mettrai des liens de quelques vidéos et de mon site internet pour voir les programmes sous la vidéo dans la description. Je fais un autre programme aussi, Pilates et stretching avec sangle de suspension.
D'accord? Donc le pilates, c'est améliorer la posture, travailler la sangle abdominale, mais de façon plus calme, où on va chercher vraiment à se concentrer sur le mouvement et pas de façon dynamique, explosive. Non, on va chercher à se concentrer et bien cibler chaque partie du corps, chaque groupe musculaire et surtout les muscles profonds. Le stretching pour améliorer la souplesse. Donc pilates et stretching avec sangle de suspension. Pourquoi les sangles de suspension? Parce que les sangles de suspension peuvent aller beaucoup plus loin sur le gainage, encore une fois. Le gainage, il va vraiment beaucoup plus loin. Pareil, ce programme-là, je fais toutes les séances avec vous. Si vous avez juste à me suivre pour faire les séances avec moi, je vous mettrai le lien dans la description d'une des vidéos, d'accord, d'une séance comme ça. Et en projet, je prévois aussi de peut-être faire un programme silhouette finie tonique, 30 séances avec élastique. Donc, ce sera le même principe que le silhouette finie tonique. Les séances, je pense les faire sur une demi-heure. Ce sera tout avec élastique pour aller beaucoup plus loin. Hein, parce que dès qu'on a les accès, on va plus loin pour travailler sur le dos. On peut rajouter plus de tension musculaire. Donc, avec élastique, ça, c'est en projet aussi. Voilà toutes les séances. Donc, en gros, vous choisissez selon votre objectif, une silhouette plus fine, plus tonique, plus dynamique, donc programme préparation physique générale ou silhouette fine tonique. Programme prise de muscle athlétique, vous voulez prendre du muscle, vous avez un programme prise de muscle athlétique, vous allez voir, c'est séparé en deux parties. Et vous choisissez selon vos accessoires. Les autres programmes vont bientôt venir aussi, c'est pareil selon votre objectif. Prise de muscle, pilates, perte de poids, enfin amélioration de la silhouette, vous choisissez. Dans les programmes, là où vous ne prenez aucun risque, tous les programmes sont satisfaits en remboursé sur 14 jours. Comment ça marche? Vous prenez un programme, vous achetez le programme. Vous vous rendez compte que le programme ne vous correspond pas pour diverses raisons. Je ne vous demanderai même pas pourquoi. Vous m'envoyez un mail, vous me dites voilà, Ken, désolé, le programme ne me correspond pas. Je vous rembourse. Voilà, je vous rembourse direct dans les 14 jours. Je ne veux pas chercher plus loin, je ne veux pas vous embêter. Il n'y a pas de truc caché. Hein. Voilà, vous me dites le programme ne me correspond pas, et je me suis trompé, je ne sais pas. Bref, je ne veux pas chercher plus loin, il ne me correspond pas. Je vous rembourse, vous avez 14 jours satisfait, remboursé. Donc, quand vous prenez un programme, vous ne risquez rien. J'ai mis aussi un système d'abonnement. Donc, les systèmes d'abonnement, vous avez, donc vous rentrez votre carte, vous avez 30 jours. Vous n'êtes pas débité, il n'y a rien. 30 jours d'essai, vous pouvez toucher à tous les programmes. L'abonnement, ce n'est pas complet d'absolument tous les programmes. Ça vous permet de jouer avec tous les programmes, de tourner sur tous les programmes. Les programmes qui vont venir, il y en a déjà qui sont déjà mis dedans, c'est dans l'abonnement. Il y a aussi deux réunions Zoom par mois, c'est-à-dire tous les mois, deux fois, je suis avec vous en Zoom pour échanger ensemble, pour répondre à diverses questions. D'accord ? Pareil, c'est 30 jours satisfait ou remboursé. Au bout des 30 jours, vous voyez que le pack ne vous correspond pas. Vous m'envoyez un simple mail et je vous désinscris, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc en gros, vous ne prenez aucun risque. Voilà, j'ai fait le tour de tous les programmes. Je pense que j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Donc voilà, je voulais faire un point sur ça. Parce qu'on me demande souvent quel programme choisir, on ne sait pas comment faire. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Selon vos objectifs, vous choisissez le programme et sinon, vous pouvez prendre l'abonnement. Comme ça vous permet de jouer avec tous les programmes. Mais il y a beaucoup qui font ça, qui permettent de jouer sur le programme prise de muscle athlétique, préparation physique générale. Le pilate là qui arrive, qui tombe vraiment bien parce que ça peut se mettre facilement entre les séances n'importe quand parce que ce n'est pas du tout les mêmes tensions musculaires. Ça permet vraiment d'étirer et travailler différemment. Ça s'incorpore très bien. Voilà, donc programme totalement différent. Donc j'espère que ça va vraiment vous aider à voir plus clair dans le choix des programmes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao !